Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Darksider War Master Edition. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme parce que moi oui. Donc on va tout de suite continuer en allant voir Samael. On va voir si on va recevoir un nouveau pouvoir, j'espère. Genre un vol plus haut ou un triple saut peut-être. On saute et bam, cinématique. Alors même pas. On aurait pu nous TP au moins. Ça c'est un coup puissant. Ça c'est le coup comète. Coucou Samael. Est-ce que tu t'es bien amusé? Guerre et le marteau. Plumons les pigeons. Vous voyez un grand nombre de choses depuis votre prison, Samael. Il ne veut pratiquement rien me cacher, cavalier. Mon esprit sait tout. Presque. Que pouvez-vous me dire sur l'Anjuriel? Ah, je croyais que les cavaliers étaient bien au-dessus de tout cela. Elle croit que j'ai tué Abaddon. Les gardiens des enfers vénéraient leur maître et chef déchu. Quant à Uriel, hein, d'aucuns disent qu'elle le vénérait vraiment, énormément. Elle n'aura de cesse de vouloir retrouver le coupable. J'ai combattu le démon qui a tué Abaddon. Et il sera puni. Straga est le plus robuste des élus. Sans aucun doute, tu recroiseras sa route. Il tient sa puissance de la flèche de la tour. Et il ne s'en éloigne jamais très longtemps. Avec tout ce que je t'ai appris, il y a peut-être une chance que tu t'en sortes. Quel cœur dois-je vous apporter, démon? Le Stygien. Et le roi des anciens vers, qui sévissent dans le pays des cendres. Ce ne sera pas facile. Les vers se reproduisent bien dans ces contrées fertiles. Fertiles? Fertiles avec la mort, la décomposition. Toute la zone en est couverte. Les cendres des morts. Mais tu auras peut-être de la chance. Il semble que des idiots de démons trouvent très amusant de capturer les vers. Et ils traquent d'autres créatures aussi. Les plus robustes s'affrontent ensuite dans de terribles arènes. Les démons cherchent à apprivoiser le Stygien, mais ils ignorent que dans ce monstre, bat le cœur sombre d'un des élus. Comment font les démons pour éviter les vers des cendres? Est-ce que tu connais les chronosphères? Un don des anciens. On dit que quiconque maîtrise la chronosphère peut maîtriser le temps. Qu'il peut l'arrêter, et même voyager dans le passé et dans le futur. En effet, les anciens maîtres n'existent plus, mais les démons ont appris à se servir des sphères. Dans une moindre mesure, je peux au moins apprendre l'utilisation basique des chronosphères. Ce n'est pas beaucoup, mais peut-être juste assez. Peut-être pas. De quoi peut-on être vraiment sûr, cavalier? À part de notre propre parole, bien sûr. Ok. Saut dans le temps. Alors, où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? D'accord.
Allez, c'est parti. Donc là, on est en train de faire la troisième zone de la carte. Je ne sais pas où on devra aller pour la suite. S'il y a une autre carte ou quoi que ce soit, on verra bien. Peut-être après qu'on ait fini celle-là, on débloque des nouvelles zones. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors je reviens bien. Ah oui, putain, il y a à peine à la moitié du niveau. C'est chiant ça. Ça va être long. Voilà. C'est un portail ça, ouais. Ça c'est un portail. À utiliser le pour utiliser le grand chalet, autant l'utiliser. On a là combien des artefacts justement? Ok. Ça avance vraiment pas. Hein. Voilà.
Oh. Allez. Oh, c'est nouveau ça. C'est nouveau, c'est nouveau. Tiens, le magasin de Fulgrim est là-bas. Il est là même, d'accord. Le cercle de Vulgrim est apparu, donc il nous manque un, deux. Tiens, on peut monter là? Non, on peut pas. Je me disais aussi. Y'a rien. Oh là, ça branche pas. Ok, why not? Pourquoi pas? Moi j'accepterai de passer de ce genre d'invitation. Parce que ça semble le bon spam, les qui essaient de nous arnaquer. Oh, nice.
Hein? Ah oui, c'est juste pour ça. Ok. Tiens, on dirait du sel. Allez. Allons-y. Donc normalement, le 3 janvier, il y aura un petit jeu, enfin une petite extension d'un jeu qui va arriver sur la chaîne. Donc vous devez sûrement vous douter duquel. C'est un très bon jeu. Voilà. Tiens, je crois que j'ai vu un coffre. Ah non, c'est pas un coffre, c'est une zone là-bas. S'il y a quelque chose ou pas. Non, je crois aussi. Yay, un fragment de vie. Encore un. Pour une nouvelle barre de vie. Vulgrim ici aussi. Salutations. Pays des cendres. Ah. Oui. Ah, oui, quand même. Oh oui, oh, c'est grand. J'ai l'impression que je ne peux pas visiter. Tu vois pas encore. Samael avait raison sur ses vers, et le Stygian est censé être le méchant. Probablement on oublie de faire le tour de la zone. Hein. Faudra. Bah, je crois savoir comment ça se passera, mais pas tout de suite. Hein. J'approche pas, je suis déjà là. Là ça va, cette zone commence à se compléter assez facilement. Hein.
Oui, c'est bon, tu as arrêté de rugir, oui. Non, mais où? Où est-ce qu'il est mon pistolet? Ah, d'accord. Ça me défonce les oreilles, ce bruit. Comment on doit le monter, celui-là. Si grande zone et on peut pas faire, on peut même pas faire un dixième de la zone. Tu vois, pas tout de suite en tout cas. Voilà. Rien d'autre par là. Tiens, tiens, tiens. D'accord.
Par contre, ouais. Ah, j'aurais pas dû faire ça tout de suite. Hein. Je suis un idiot. Ah non, peut-être que je peux repasser par là. Encore au-dessus. Bah du coup là je peux pas. Bon bah tant pis. Je peux pas repasser par là. Je prends connaissance un peu de la zone avant de commencer, on va dire. Truc à l'intérieur, mais ça, bon, non, moi je peux pas faire encore quoi que ce soit. Est-ce que je touche de XP là? Un petit peu. Impression. Sympa. On va retourner ici juste après. Déjà voir de l'autre côté, j'aurais dû faire depuis le début. Bah, y a rien. Ah si. Ah non. Non, c'est bon. J'ai. Oh, flûte, c'est pas descendu. Si, c'est descendu. Oh. Wesh,
Merde, je te fais disparaître, bordel. Ah non, il est là. Comment je peux faire? C'est bon, je sais. Voilà. C'était ce qu'il fallait faire. Le son, désolé, mais le son du jeu est un peu vraiment un peu fort là. Donc c'est pas ce que je voulais faire. C'est à cause des bordels. Voilà, donc là ça devrait être un peu mieux pour moi et pour vous aussi, j'espère. Et non, pas comme ça, trop loin. Ah là là, allez. Ah, je m'en doutais. J'ai eu très chaud. J'ai eu très très chaud. Ah, un coffre. Un mur abyssal peut-être. De la rage. Waouh. Nice, ça fait un objet en plus, enfin un cristal de libre en plus. Un cristal plutôt. C'était pas facile, hein. Je vais pas tarder à mourir, Allez, on peut descendre. Youhou! Ah, ça fait mal aux yeux, l'eau, comme ça. Mais c'est qu'elle est profonde, cette eau, en plus. Voilà.
Oh, encore un grand. C'est que je regarde. Alors là, je vois pas comment faire. Flûte, c'était bon. C'était bon. C'était bon. Allez, allez. Principe de ça, on explique. Ok. Le voilà! Le voilà! Allez, le voilà! Plus beaucoup de vie. Comment ça se fait qu'ils sont comme ça? Ils sont venus des démons? Des anges déchus? Aucune idée.
donc normalement je peux prendre que ça. Après ça là-bas c'est encore autre chose. Hein. Faut le grappin, hein. Donc c'est normalement c'est l'arme de cet endroit si je m'abuse. Ou peut-être pas. Voilà, y a rien. Pas dans l'autre chose que de monter à ce mur. Ok. On continue cette vidéo jusqu'à arriver devant le donjon. Puis on s'arrêtera là et enfin et on fera le donjon entier dans la prochaine vidéo. Abreuvez-vous de mon sang. Et c'est toi qui dis ça alors qu'il y a juste de mourir ? Oui, c'est tout. Ok. Ok, alors voyons où cela nous mène.
Ok. Bon, on continue, on continue. Hein. Normalement, on s'arrêtera devant le dernier TP de Volgrim. Ou alors, peut-être qu'on a déjà dépassé. Aucune idée. Huh. Donc voici très certainement le début du donjon. Et donc nous allons nous arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout vous abonner à la chaîne. C'était TheTel pour la chaîne Timon HD. Passez une bonne journée et bonne soirée. Et vive les jeux vidéo.